Nous sommes à Nyamirambo, dans la banlieue sud de Kigali, où nous faisons quelques courses avec Aminata afin de préparer un savoureux repas rwandais. Aminata nous accueille ensuite dans sa cuisine de plein air, dans la cour collective de sa maison, en compagnie de Kevin, de la coopérative de femmes de Nyamirambo. Kevin. Pas du tout. La préparation du repas commence par le lancement de tous les foyers à charbon qui serviront pour cuisiner et faire mijoter tous les plats. Aminata est réputée comme la meilleure cuisinière de Kigali et nous fait découvrir les saveurs rwandaises à travers 7 plats différents, tous végétariens. Du manioc aux haricots, le matoke, un plat à base de banane plantain, un plat de dodo, c'est-à-dire de l'amarante, mon préféré, un magnifique mélange de choux, un plat à base de pommes de terre, ibirayi, et un autre avec des patates douces, ikijumba. Et aussi un plat à base de riz. Après être soigneusement lavés, tous les légumes sont épluchés et coupés avant d'intégrer peu à peu de grandes marmites sur le charbon de bois. Si l'oignon et la tomate sont une base essentielle de chacun des plats du jour, les mélanges de légumes, des condiments et des modes de cuisson permettent de développer goûts et saveurs à leur maximum, de façon très différente d'un plat à l'autre. Durant cette session de cuisine rwandaise, j'ai découvert l'amarante, une plante légume savoureuse et subtile, proche de l'épinard, mais qui contient 3 fois plus de calcium et de vitamine B3. L'amarante est appelée dodo au Rwanda et se marie avec de nombreux autres ingrédients, notamment la poudre de cacahuète. Aminata et Kevin pour ce magnifique cours de cuisine. On va manger des très bons plats rwandais. Et effectivement, le résultat est très savoureux et très diversifié. Un vrai régal. Thank you.
Aminata est une des membres historiques du Nyamirambo Women's Center, une coopérative d'entraide et d'entrepreneuriat rassemblant aujourd'hui une soixantaine de femmes qui développent des activités éducatives et artisanales leur permettant de se former, de produire, de vendre leur artisanat, de soutenir leur foyer et de gagner en autonomie. Merci à Aminata, Kevin et aux 60 femmes formidables du Nyamirambo Women's Center pour leur accueil si chaleureux et le partage de leur vie et de leur savoir-faire.